Good morning, doctor. Hey, Ariel. Hey, doctor. Good morning. Good morning. Yeah. You just let the people in, okay? Hello. You know how to do that, right? Admit them. Ariel, you know how to do that? Doctor, can you hear me? Yeah, can you hear me? Can you repeat it? Yep, can you repeat it? Yeah, you know how to admit people so they can get into the panel? Okay, keep an eye on that. Okay. You know, okay, I gotta do some stuff. I'll be back. Okay, doctor. Yeah.
Greetings, everybody. Saeed, how are you doing? Yes, good evening. Good morning. To whom I have the pleasure of speaking? Yes. Nous pouvons parler en français si vous voulez, il n'y a pas de problème. Oh, okay. Welcome. Bienvenido. Thank you. Saeed, how are you doing? Fine, and you? Okay, now Uriel is going to moderate. So yes. You're here, Uriel, right? Yes. Of course, I'm here. Good morning, Dr. Bennett. Bonjour, Dr. Saeed. Bonjour, comment tu vas? Is the speaker here yet, Uriel? Saeed, is the speaker here yet? No. Yes. Okay, I think I talked to him. We just had Russian Grand Rounds. Ah, yes. It went well. I think there are a lot of Russians, I think, that prefer Russians. Because I got the impression that not many neurosurgeons are very good at English. Yes, sure. Now, I don't know what it's like in France, but I bet you they speak more English there than they do in Russia. But whatever they want, we'll just do it. If they feel more comfortable in English, fine, we'll do them in English, whatever. The old neurosurgeons like me, we have some problem with English, but the younger neurosurgeon speaks well. In Spanish, when I first started doing webcasts, I talked to the Spanish neurosurgeons, a lot of them, and most of them preferred Spanish. So I said, well, I'll just do it. There's no rule that says you have to do webcasts in English. So I said, let's try it in Spanish. And it was much better. It got more neurosurgeons to come when I was in Spanish. So I approach each audience differently, depending upon what they want. So how are things in Reunion? Fine, we are waiting for the second hurricane. Oh, okay. Are you, how's the COVID? Is it that kind of died down a little bit? COVID, we are, actually, we haven't a lot of problem with the good with COVID. No, problems with traveling. Traveling is no problem. I hope that's the end of the episode. The end is near, it seems. Yes. But places like Mexico, it's getting worse. The United States government, because I'm thinking about traveling there in April, and they said, don't go now. The risk has increased. Because I wanted to check. I said, what's it like going to Mexico? And they said, they've upgraded the warnings, and they advise not to travel unless it's necessary. Which, when you have a conference, they have a physical conference in the end of April, they kind of have to know if they're going to have a conference, not the week before, but months before. Yes. And people have a hard time planning if they know it's bad there. Hopefully it'll get better. Probably will. Okay. But we'll just wait. Our guest today is a great neuroanatomist and great neurosurgeon, French neurosurgeon. Okay. Hold on.
Just one moment. Muriel. Docteur. Ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Je ne vois pas le professeur. Le professeur Christophe? Normalement, il m'a appelé. Il vient de m'appeler. Il va se connecter. Il est là. Il est là. Il est là? D'accord. Si. Laisse-moi. Il est oui. Ok. Professeur Distrox. Ok, super. Ça y est. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Donc nous, moi je suis le soir. Bienvenue à ce webinaire. Pour nous, c'est un grand honneur. Oh, bonjour, Christophe. Bonjour. Ariel is our host. Come on, how do you say that in French, Saïd? Présentateur, oui, donc présentateur, c'est Ariel. Ariel, c'est un étudiant en médecine générale au Pérou. Okay. Et son obsession, c'est de devenir neurochirurgien. Donc, c'est... Il dort avec ça et il se réveille avec ça. Il fait beaucoup d'efforts. Il est toujours au laboratoire, donc, etc. Il est magnifique. Et d'ailleurs, je le félicite parce qu'il a un article, qui est une présentation au Congrès mondial de neurochirurgie qui a été acceptée sur l'histoire de la neurochirurgie au Pérou. C'est ça, je ne dis pas le... De bêtises, ok. Bah, félicitations pour l'article. C'est un début, c'est un bon début. Mon topo, c'est en français ou en anglais? Non, en français. En français, d'accord.
Merci, docteur, pour les félicitations. Docteur Christophe, c'est un honneur d'être ici avec vous. Merci. Vous êtes un très, très bon professeur d'anatomie. Oula. Okay, are you ready? You guys ready? Listo? Okay. You ready, Said? Okay. Adrian got it. Hello, Adrian. Excuse me. Dr. Adrian. Hello. Hi, everyone. Welcome. Ah, Adrian. Bonjour, Dr. Adrian. Okay, Ariel. Yeah. Ready? 10. Ready, Ariel? John, wait a minute. Yeah. Professeur Destrieux, est-ce que vous pouvez partager votre écran? Oui, en fait, oui. Pour vous dire, j'ai perdu la fenêtre en Zoom. Attendez, c'est un vrai bazar sur mon écran. OK. J'ai 25 fenêtres ouvertes. Ça devrait être derrière ce truc. Ah oui, c'est que tout est sur la même fenêtre et donc forcément, ça ne va pas. Hey, do you want to start or wait? We can wait if you want to wait. No, doctor, please, a second. Dr. Christophe will try the diapositives. The PowerPoint. Oh, okay. Yeah, let's try it. No, there's no hurry. Let's try it. That's a good idea. Vous le voyez ou pas là? Pas encore. Pas encore. No, let's test it. We got time. Test your PowerPoint to make sure you know how to work it and everything. Okay. Okay, c'est bon. C'est bon. En français, hein? Is that okay? Oui, en français. Okay. Yeah. Parfait. Yes, doctor. Okay, Christophe, we're going to take you off that to introduce you, okay? We want to introduce your whole face. So you say that, Saïd and Ariel, please, I'm going to take him off the screen share because we want to see his face when we introduce him, okay? He knows how to screen share. He'll be okay. Okay, Uriel, you ready? Yep. Yes. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir à tous. Nous partageons avec vous une autre édition de la chaîne d'éducation en neurochirurgie, neurosurgical.tv. Aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir présenter les plus élèves séries de lectures francophones French Neurosurgical Grand Rounds. Je suis Sujel Tarlevega de l'équipe des étudiants de Neurosurgical.tv et aussi président de la Société péruvienne des étudiants en neurochirurgie en neurosciences. Et maintenant, je vais vous présenter notre ami, le docteur Saïd Taha, responsable du webinaire de French Neurosurgical Grand Rounds. À vous, docteur Taha. Merci, Ariel. Bonjour à tous qui sont en direct et ceux qui sont sur YouTube. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'avoir le professeur Destrieux qui est neurochirurgien à l'Université de Tours. Le professeur Destrieux a fait ses études à Tours et il travaille toujours au centre hospitalier de Tours. Il est membre de l'eBrain Lab à l'INSERM de 1253 à l'Université de Tours. C'est le groupe de traitement de l'image à valeur vectorielle. Il a ses activités cliniques se concentrent principalement sur les procédures stéréotaxiques, la chirurgie éveillée des gliomes de bas grade. Il a également passé un an aux États-Unis, à Salt Lake City, aux États-Unis, au centre Center for Advanced Medical Technologies, où il a développé un atlas du cortex humain en utilisant le package Free Surfer sous la supervision du professeur Eric Algreen. Cet outil de segmentation automatique a été inclus dans le paquet FreeSurfer et est l'un des articles les plus cités dans le domaine. Il a obtenu son doctorat en 2009 sur le même sujet à l'Université François Rabelais à Tours, où il a occupé le poste de professeur assistant jusqu'en 2011, date à laquelle il est devenu professeur d'anatomie.
Après l'anatomie corticale et chirurgicale, sa recherche se porte aujourd'hui principalement sur l'anatomie de la substance blanche du cerveau. Il dirige le projet FibraTlas qui vise à valider la tractographie IRM en comparant quantitativement son résultat à la dissection. Il est membre également de l'European Association of Neurosurgery et membre également de la WFNS Neuroanatomy Committee. Il est auteur de plus d'une centaine d'articles. Ses travaux sont divers et variés. Bienvenue, professeur Destruyer. Donc, c'est un grand honneur. Merci, Saïd. Bien, bah écoutez, merci pour ces mots, cette gentille introduction. Donc, je vais vous parler. Est-ce que vous avez le partage d'écran ou pas, là ? Pas encore, non ? Pas encore. Alors, il faut que je rappuie sur le bouton, j'imagine. Hop, oui. Voilà. Clic. Donc, je vais vous parler. Attends, je vais fermer cette petite fenêtre qui me casse les pieds. Voilà. Hop. Je vais vous parler aujourd'hui de l'anatomie des espaces péricellaires. Bon, c'est un sujet assez vaste, en fait, hein, qui est très important parce que vous comprenez, enfin, vous savez tous que cette région est assez complexe, pas toujours facile à comprendre, sauf que, en fait, en simplifiant, on y arrive très, très bien. Donc, voilà. Pour le concept fondamental, pour bien comprendre toute cette anatomie, c'est de bien imaginer la Durmer comme étant formée en fait de deux couches. Une couche externe, ostéopériostée, représentée en vert ici, et puis une couche interne, cérébrale, c'est des travaux qui avaient été faits en microscopie électronique. Et ces deux couches, en général, sont collées l'une à l'autre, mais parfois, on va avoir un espace entre la couche superficielle et la couche profonde. Alors, si on remet ça sur un crâne, c'est une espèce de fausse coupe sagittale, vous voyez, un petit peu oblique, eh bien, on a représenté ici en vert la couche ostéopériostée qui tapisse l'os et qui va se poursuivre à l'extérieur du crâne. Elle se poursuit notamment ici par le périoste rachidien et elle se poursuit aussi par le périorbite situé au niveau de la cavité orbitaire. Donc tout ça, c'est la même structure, c'est la même couche. Et puis la deuxième couche, qui est la couche interne, la couche cérébrale, c'est la couche en rouge, c'est celle qui va être contre le cerveau, vous voyez qu'elle aussi se poursuit. Elle se poursuit au niveau de l'orbite par la gaine durale du nerf optique et elle se poursuit au niveau du canal rachidien par le fourreau dural. Le fourreau dural, c'est simplement cette couche interne. Et alors, souvent, ces deux couches sont collées, mais parfois, il y a un espace qui va exister entre ces deux couches et cet espace contient toujours la même chose. Il contient du sang et il contient du gras. Alors, le sang et le gras vont remplir les sinus veineux intracrâniens. Au niveau du sinus caverneux, vous savez qu'il y a beaucoup de tissus adipeux. Il y en a moins au niveau du sinus latéral, du torculaire, mais il y en a un petit peu et ça peut donner le change parfois avec des thromboses de ces sinus. Et puis, c'est la même chose dans les compartiments extra-crâniens. Au niveau du tissu épidural, vous savez qu'il y a beaucoup de gras qui va faciliter les mouvements du fourreau dural par rapport au rachis. Et puis, il y a des veines épidurales. Et c'est la même chose au niveau de l'orbite, où vous avez les veines orbitaires et puis du tissu adipeux qui va permettre les mouvements du globe oculaire. Donc, retenez, deux couches de Durmer entre les deux couches du tissu graisseux et surtout du sang. Et ces deux couches sont plus ou moins adhérentes en fonction des localisations. On va y revenir. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Durmer est organisée autour de deux grands axes qui sont les plis pétroclinoïdiens. Alors ça, c'est une vue supérieure de la base du crâne. Hein, vous y reconnaissez, la ligne médiane est là, la droite est par ici, l'avant est par là. Là, c'est le foramen magnum. Ici, vous avez le foramen lacérum. Et ici, la selle turcique. Alors, en fait, les plis pétroclinoïdiens s'insèrent. Attendez, j'ai une barre d'outils qui manque.
et qui me cache la partie haute de mon écran. Alors, je vais essayer de la virer. Ouais, ça m'est arrivé une fois. Je pense c'est vraiment très chiant. Hein, ça... Oui, donc il faut peut-être redémarrer. Alors, ça non, c'est bon, là, fois, je vais y arriver. Je vais la mettre dans un coin. C'est pas grave. Vous ne la voyez pas, vous, elle ne vous gêne pas. Non, pas du tout. Bon, d'accord. Donc, les plis pétroclinoïdiens s'insèrent sur les processus clinoïdiens. Alors, en fait, vous avez le processus clinoïdien antérieur, ici, là, qui va être juste latéral à la carotide. Et puis, vous avez le processus clinoïdien postérieur qui va constituer la partie latérale du dos de la selle turcique. Et c'est à partir de ces deux plis pétroclinoïdiens que vont s'organiser, de ces deux processus clinoïdiens, pardon, que vont s'organiser les plis pétroclinoïdiens. Alors, il y aura en fait un pli pétroclinoïdien antérieur qui part du processus clinoïdien antérieur, qui se poursuit en arrière, pratiquement sagittalement, et qui forme en fait le bord libre de la tente. Le pli pétroclinoïdien postérieur, qui part de la clinoïde postérieure, va suivre le bord supéromédial du rocher et va constituer ce qu'on appelait dans le temps la grande circonférence de la tente. C'est en fait l'insertion de la tente sur l'os pétreux. Et donc, vous voyez que ces deux plis vont former un X un petit peu allongé, qui divise la région en quatre secteurs. Et finalement, c'est assez pratique pour étudier l'anatomie de cette région de façon systématique. Alors, je vous propose qu'on va voir les différents secteurs, hein, les uns après les autres. On va commencer par le secteur antéromédial. Ce secteur antéromédial, il comporte le sinus caverneux et la fosse hypophysaire. Et puis après, on fera un peu de tourisme tout autour. Alors, si on s'intéresse donc à ce circuit antéromédial, à ce secteur antéromédial, on va faire une espèce de fausse coupe, là, une fausse coupe coronale. Alors ça, c'est complètement théorique, ce n'est pas de l'embryologie, ça ne se passe pas du tout comme ça en embryo, mais ça va vous permettre de comprendre comment est organisée la région de la selle turcique, comment sont organisés les sinus caverneux. Donc on retrouve les éléments dont je vous avais parlé tout à l'heure. Là, vous auriez en fait la base du crâne. Ici, vous avez le feuillet ostéopérioste qui tapisse complètement la base du crâne. Et puis, vous avez le feuillet cérébral, le feuillet interne, qui, lui, va être en face du cerveau. Vous voyez que dans la région temporale, dans la fosse cérébrale moyenne, la région sous-temporale, vous allez avoir, en fait, ces deux feuillets qui vont être plus ou moins accolés, qui plus ou moins, parce que vous savez qu'il peut y avoir des lacs veineux qui vont nous empoisonner la vie quand on opère dans ce coin-là. Et puis, ce qui se passe, c'est que sur la ligne médiane, eh bien, il y a une distance considérable entre ces deux feuillets. Et comme il y a une distance considérable entre ces deux feuillets, eh bien, on a un grand espace qui est un espace interdural. Et cet espace interdural va être rempli, c'est toujours la même histoire, de sang veineux et de gras. Donc, vous reconnaissez ici le pli pétroclinoïdien antérieur, là où ça va changer de direction. Hein. On va y revenir. Et puis là, on aura la fosse cérébrale moyenne. Ça, c'est un vieux truc, hein, ça date des années 50-60. Hein, c'est Taptas qui avait décrit ça, un chirurgien grec. Donc là-dedans, forcément, comme il y a un espace, eh bien, il y a du sang. Et dans ce sang, on va trouver différentes choses. Alors, latéralement, déjà, on va trouver les deux carotides internes intracaverneuses qui vont traverser cet espace. Hein, c'est le segment intracaverneux de la carotide interne. Et puis, on va trouver l'hypophyse qui va être au milieu. Alors ça, c'est une animation, hein, c'est complètement théorique, encore une fois. C'est pour vous faire comprendre, comment l'hypophyse va être entourée par la couche interne. Ce qui se passe, c'est que, vous voyez que l'hypophyse est complètement entourée d'un sac, un sac dural hypophysaire, qui est formé par la couche cérébrale interne, qui va s'invaginer, qui va autour de l'hypophyse et qui va former une espèce de sac autour de cette hypophyse. Donc ça vous permet de comprendre tout de suite que les vieux bouquins où on trouvait une espèce de paroi médiale du sinus caverneux qui était droite comme une cloison dans un appartement, ben, ça n'existe pas. Hein. Vous voyez que la paroi médiale du sinus caverneux ou la paroi latérale de la loge hypophysaire, eh bien, en fait, elle va se mouler sur les éléments avoisinants, elle va se mouler notamment sur l'hypophyse et on verra qu'elle peut déborder. Elle se moule sur l'hypophyse, elle se moule donc sur les carotides, et on voit que parfois elle va déborder pour englober une partie de la carotide. Et donc, de part et d'autre, on aura les sinus caverneux, hein, qu'on peut aussi appeler compartiments latérocellaires,
Et puis, entre les deux sinus caverneux, il y a les sinus coronaires ou sinus intercaverneux qui vont relier entre eux ces deux sinus caverneux. Alors, à quoi ça ressemble en vrai ? Eh bien, on va avoir tout en haut le toit du sinus caverneux et le diaphragme cellaire. Il faut que vous imaginez, je vais revenir sur la diapo précédente, vous voyez qu'ici, entre le pli pétroclinoïdien droit et le pli pétroclinoïdien gauche, il y a une grande lame de Durmer interne, de Durmer cérébral, qui est tendue d'un pli à l'autre. Eh bien, sur la ligne médiane, au-dessus de l'hypophyse, on appellera ça diaphragme cellaire, et puis latéralement, au-dessus de la carotide, on appellera ça toit du sinus caverneux, mais c'est la même structure anatomique. Et voyez qu'au milieu, cette structure est percée d'un trou, c'est le diaphragme cellaire. Alors, voilà à quoi ça ressemble en vrai. C'est une vue supérieure, la ligne médiane, la droite, l'avant, l'arrière. Vous reconnaissez ici la tige de l'hypophyse, et vous voyez cette grande lame tendue d'un pli pétroclinoïdien à l'autre qui serait situé de l'autre côté. Et puis en arrière, on retrouve le pli pétroclinoïdien postérieur. Alors, vous voyez que cette grande lame qui correspond donc au diaphragme cellaire et au toit du sinus caverneux est percée par différents orifices. Sur la ligne médiane, je vous l'ai dit, il y a la tige de l'hypophyse, il y a un trou qui s'appelle diaphragme cellaire et se trouve à être plus ou moins large. Et parfois, on peut avoir des arachnoïdocèles qui se forment dans cette selle turcique, c'est les selles turciques vides, hein, qui sont favorisées par ce grand diaphragme cellaire. On a un trou pour la carotide interne intracaverneuse qui va sortir du sinus caverneux juste au-dessous du nerf optique. Le nerf optique est ici. On va ensuite trouver le 4. Alors le 4, il va entrer dans le sinus caverneux à l'angle entre le pli pétroclinoïdien antérieur, qui est récliné ici, et le pli pétroclinoïdien postérieur. Il est vraiment dans l'angle. Et donc, vous comprenez bien que si on récline le bord libre de la tente, donc ce qui continue le pli pétroclinoïdien antérieur, eh bien, le 4 est situé juste en dessous. Donc, ça vous explique pourquoi, quand vous opérez dans la région du pli pétroclinoïdien antérieur ou du bord libre de la tente, il faut être très vigilant parce que vous risquez très facilement de léser le 4 qui est tout petit et qui est situé juste en dessous. Et puis, un peu plus en avant, dans une zone un petit peu déprimée, on trouve le point d'entrée du nerf oculomoteur, la troisième paire crânienne. Alors précisément, ce nerf crânien, ce 3, va entrer dans le triangle oculomoteur qui relie, en fait, enfin, dont les trois sommets sont le pli pétroclinoïde, le clinoïde antérieur, la clinoïde postérieure, et puis le croisement des plis antérieurs et postérieurs. Ça forme ce triangle-là qui est un petit peu déprimé, et au milieu, il y a le 3. Alors, ce qu'il faut comprendre, ce qui est assez compliqué à comprendre, c'est l'anatomie de la Durmer dans cette région-là. Encore une fois, on a deux couches de Durmer, une couche interne, une couche externe. Quand vous enlevez le cerveau, hein, comme sur cette préparation anatomique, la ligne médiane, la droite, l'avant, la tige hypophysaire, le chiasma, eh bien, quand vous enlevez le cerveau, ce que vous voyez, c'est la Durmer interne, la Durmer cérébrale. Et vous voyez que la Durmer interne cérébrale, elle couvre le pli pétroclinoïdien. C'est une erreur, c'est. Elle couvre le processus clinoïdien antérieur, et puis elle va s'en aller vers la ligne médiane. Elle va passer en pont au-dessus du 2, au-dessus du nerf optique. Et à cet endroit-là, il n'y a pas d'os dessous. C'est vraiment. Il y a uniquement de la Durmer. Ce qu'on appelle le processus falciforme. Il faut savoir qu'il existe parce que si vous coagulez à ce niveau-là, parce qu'il y a un méningiome dans le coin-là, eh bien vous allez coaguler à Durmer et comme il n'y a pas d'os, vous coagulerez en même temps le nerf optique avec une cécité post-opératoire. Donc rappelez-vous que sous ce processus falciforme, il n'y a pas forcément d'os. Donc la couche interne se poursuit comme ceci, elle se poursuit jusque sur le jugum pour tapisser toute cette région-là. Et puis elle descend aussi comme ça jusqu'au niveau du toit du sinus caverneux. Et vous rappelez que ce toit du sinus caverneux est formé par cette Durmer interne. Et autour de la carotide interne qui sort à ce niveau-là, eh bien, il va y avoir un anneau. Hein, cette Durmer interne s'arrête, cette Durmer cérébrale s'arrête. C'est l'anneau supérieur de la carotide. Ça, c'est relativement facile à comprendre.
Et puis, bon, ça, je vais passer. Si on, maintenant on enlève cette couche interne, donc la plus superficielle quand on a ouvert le crâne, on récline cette couche interne. Là, il y avait le processus cnoïdien et on a enlevé ce processus cnoïdien pour voir ce qu'il y avait en dessous. On est à ce niveau-là. Voilà. Là, c'est une vue postérieure. Vous avez ici le corps du sphénoïde. Vous avez ici la petite aile du sphénoïde, la grande aile. Et là, vous avez le processus cnoïdien antérieur qui pointe vers nous et qui est relié en fait au corps du sphénoïde par deux racines, une racine antérieure et une racine postérieure. Et la racine postérieure, c'est ce qu'on appelle le optic strut, qui est situé entre le canal optique et la fissure orbitaire supérieure. Eh bien, là, vous voyez, on est en vue supérieure, on regarde par ici. Donc là, on a enlevé la clinoïde et on voit donc la durmère qui tapisse l'os, donc la durmère ostéopériostée cette fois-ci. Et en fait, comme on a enlevé tout l'os, eh bien, on retrouve ici un trou qui correspond à l'optic strut, à cette région-là. Et donc, de ce côté-là, on va avoir le canal optique, et puis plus bas, on aurait donc la fissure orbitaire supérieure. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que la durmère va descendre, elle va descendre vers la région de la carotide, et vous voyez qu'ici, hop, pardon, cette durmère va tapisser complètement le processus cnoïdien antérieur, elle va descendre au bord de la carotide, et puis elle va aller, là encore, faire un deuxième anneau autour de cette carotide, c'est l'anneau inférieur carotidien. Et donc, entre les deux, il y a une espèce de manchon dural qui est plus large latéralement que médialement, et ce manchon dural va entourer partiellement la carotide intracaverneuse. C'est le collier carotidien. Alors, ça, c'est pour vous montrer un petit peu, c'est un petit peu caricatural, c'est la situation chez le fœtus. C'est un fœtus de 5 mois. Donc, vous reconnaissez ici la selle turcique avec un énorme foramen hypophysaire qui était très, très large. On a enlevé l'hypophyse. Donc là, vous avez le sac dural hypophysaire qui est développé à partir de la durmère interne. On a enlevé ici le toit des sinus caverneux. Du coup, on voit la carotide interne intracaverneuse. On voit la carotide supraclinoïdienne. On voit une énorme artère ophtalmique. Ça vous rappelez peut-être que l'artère ophtalmique joue un rôle très important dans le développement de la vascularisation fœtale. Et donc là, on a passé un petit crochet entre le toit du sinus sphénoïdal recouvert par la durmère ostéopériostée et le sac dural hypophysaire. C'est là où il y aurait les sinus intercaverneux qui vont relier en fait le sinus caverneux droit et le sinus caverneux gauche. Donc là, c'est assez caricatural, vous voyez, on comprend bien chez l'embryon cette situation qui est un peu plus figée chez l'adulte. Alors ça, c'est un adulte maintenant. On est en vue supérieure, on regarde donc par ici, et on a enlevé, en fait, on a démonté tout le couvercle. Vous voyez, on a enlevé, on a coupé d'un pli pétroclinoïdien antérieur à l'autre. Donc on a enlevé le toit du sinus caverneux, le diaphragme cellaire. Donc ce qui nous reste, eh bien, c'est le sinus caverneux, la selle turcique et l'autre sinus caverneux. Alors, qu'est-ce qu'on voit à ce niveau-là? Eh bien, on voit bien évidemment la tige pituitaire, on voit les carotides internes intracaverneuses des deux côtés, et puis on voit en fait des veines qui vont entourer toute la région, qui vont être présentes au niveau des sinus caverneux et qui vont passer d'un sinus caverneux à l'autre via ces sinus coronaires, ces sinus intercaverneux. Là, on aperçoit le 3 qui est en train de descendre dans la paroi latérale. On va y revenir tout à l'heure. Alors, si on continue la dissection et que là, vous voyez, on coupe l'hypophyse dans son sac dural hypophysaire, on va couper la partie droite de l'hypophyse et on va retirer l'hypophyse et on va garder en fait seulement la partie gauche du sac dural hypophysaire. Vous voyez qu'on a bien ce sac dural qui est formé par une expansion de la couche interne, donc une expansion du diaphragme cellaire, et ce sac dural hypophysaire va se mouler sur les structures avoisinantes. Il va y avoir des espèces de bosses en avant, à droite, à gauche, qui vont s'adapter à la forme de l'hypophyse et aussi à la forme des organes avoisinants, notamment les carotides intracaverneuses. Alors, vous voyez ici qu'on a ouvert une petite fenêtre dans le plancher de ce sac dural, et par la petite fenêtre, eh bien, on voit
les sinus intercaverneux ou sinus coronaires. Il y a aussi un sinus coronaire à ce niveau-là. Il y en a plusieurs qui vont entourer ce sac dural. Alors ça, c'est une vue latérale. Vous voyez, on va regarder maintenant par ici. Là, on va regarder par ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on a enlevé la paroi latérale du sinus caverneux. On a coupé le segment horizontal de la carotide intracaverneuse pour voir ce qui se passe dessous. Donc là, on a le toit du sinus sphénoïdal recouvert de durmère externe, ostéopériosté. Ici, on a la tige pituitaire et on a le sac dural hypophysaire qui est entouré par de la durmère, par un sac dural hypophysaire. Ce sac dural hypophysaire, il est formé de durmère interne, encore une fois, c'est un prolongement du diaphragme sévère. Et vous voyez que notre hypophyse, elle est toute cabossée, hein, il y a des bosses dans tous les sens. Et puis, entre la couche durale interne, donc autrement dit, le sac dural hypophysaire et la couche externe qui tapisse le toit du sinus sphénoïdal, eh bien, il y a des espèces d'adhérences comme ça. Hein. Il y a des espèces d'adhérences, des processus fibreux. Et entre ces processus fibreux, il va y avoir des canaux. Ce sont les sinus coronaires qui vont faire communiquer donc, les deux sinus caverneux. Alors, ça, c'est une vue postérieure. Vous reconnaissez le chiasma optique. Juste au-dessous, on a la tige pituitaire. On a les carotides supraclinoïdiennes. Là, on a les artères hypophysaires supérieures qui vont vasculariser on a des artères hypophysaires supérieures qui vascularisent l'hypophyse. Là, on a la portion horizontale de la carotide, le coude postérieur. On a démonté la paroi postérieure. Hein. Il y aurait normalement, à ce niveau-là, on aurait le clivus, hein, la partie haute du clivus, autrement dit le dos de la selle. Et bien, on a enlevé le dos de la selle et on retrouve ce sac dural hypophysaire qui entoure l'hypophyse. On a gardé un petit bout d'hypophyse. Et entre le sinus caverneux droit et gauche, on a donc ces sinus coronaires qui vont les relier. Vous voyez aussi qu'entre le sac dural hypophysaire, d'une part, et la carotide, on a un espace. Cet espace peut être assez large, avec de nombreux éléments veineux, mais parfois, il est beaucoup plus petit. Vous avez parfois une adhérence entre la carotide intracaverneuse et l'hypophyse. Et parfois même, l'hypophyse a tendance à entourer un peu la carotide, c'est ce qu'on voit sur ce schéma, enfin sur cette photo, on voit que l'hypophyse va s'étaler un petit peu au-dessus de la carotide intracaverneuse. Ce n'est pas qu'il y a une invasion du sinus caverneux, hein, c'est simplement qu'il y a une hypophyse qui va s'étaler un petit peu latéralement. Et en fait, évidemment, si vous avez une hypophyse qui a cette morphologie et dans laquelle se développe un adénome, il faudra faire attention à ne pas dire qu'il y a une invasion du sinus caverneux, mais simplement un adénome qui est situé dans une hypophyse avec des larges prolongements latéraux. On avait publié à l'époque un papier avec un collègue, Jean-Philippe Cottier, sur justement les critères qui permettaient de prédire si c'était une invasion ou une hypophyse normale. Donc ça, c'était pour le segment antérieur, si j'ose dire, le segment antéro-médial. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe en arrière, c'est le segment postéro-médial, ce quadrant postéro-médial, donc limité par le clivus et en fait le pli pétroclinoïdien postérieur et par le pli pétroclinoïdien antérieur. Là-dedans, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le clivus, donc, et on va trouver ce qu'on appelle le canal de Dorello, ce qui, je pense, il vaut mieux appeler la confluence pétroclivale. Une vue supérieure, la ligne médiane est là. On a récliné vers l'avant la tige pituitaire. Vous reconnaissez ici les clinoïdes postérieurs qui sont très, très volumineuses à cet individu. Là, on a le pli pétroclinoïdien antérieur, le pli pétroclinoïdien postérieur, et dans le triangle oculomoteur, on a le 3 qui entre à ce niveau-là. On a récliné le bord libre de la tente, ce qui fait qu'on aperçoit le sein qui entre, on va y revenir, dans le cavum trigéminal. Et puis, entrant dans la durmère du clivus, on trouve le 6, le nerf abducens. Ce qui est frappant quand on regarde ça, c'est que c'est tout bleu. Pourquoi c'est tout bleu? Parce qu'il y a du sang veineux. Hein. Et il y a du sang veineux parce qu'il y a des espaces interduraux qui sont remplis par du sang veineux.
On le voit très bien, vous voyez, si on découpe une petite fenêtre autour du 6, autour du, oui, du 6, on a découpé donc cette durmère. Encore une fois, cette durmère qu'on a découpée, qui est réclinée, c'est le feuillet interne, le feuillet cérébral de la durmère. Et en fait, on voit très bien que sous cette durmère, on trouve, vous voyez, on trouve du sang veineux qui va correspondre à ce qu'on appelle le plexus basal du clivus sur la ligne médiane, qui va correspondre, on va le voir, au sinus pétro-inférieur en bas et latéralement, et qui va correspondre en avant, un petit peu plus haut et un peu plus en avant, à la partie toute postérieure du sinus caverneux. Donc ça, c'est la même dissection, mais un peu plus avancée. On a enlevé toute cette durmère ostéopériostée, et c'est ce que je vous disais, on a le 6 qui est dans un espace veineux, qui est à la confluence, en fait, entre le sinus pétro-inférieur, qui descend jusque dans le foramen jugulaire, comme vous le savez, le plexus basal du clivus, situé à ce niveau-là, et puis on a ici la partie postérieure du sinus caverneux. Donc toute cette région, là, on peut appeler ça la confluence veineuse pétroclivale, c'est ce qui a été décrit par Dorello comme canal de Dorello. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que entre le feuillet interne de la durmère, le feuillet cérébral, et le feuillet externe qu'on aperçoit ici, le feuillet ostéopériosté, qui tapisse l'os, il va y avoir des trabéculations sur les petites flèches qui sont là, qui vont relier ces deux feuillets. Et ces trabéculations vont être plus ou moins importantes, on va le voir tout de suite. Alors, si je continue la dissection, vous voyez qu'on a des trabéculations qui parfois sont très larges, et il y a notamment une trabéculation qui va partir de l'apex pétreux et qui va aller vers le sphénoïde, c'est ce qu'on appelle le ligament pétroclival, le ligament de Gruber, hein, pétroclival de Gruber, qui va être situé en général au-dessus du 6. Et vous voyez que le 6 a un trajet un peu bizarre. Il va entrer dans la confluence pétroclivale, il va passer sous le ligament pétroclinoïdien, et puis il va ensuite refaire un coude pour se retrouver à la partie latérale de la carotide interne. On le voit mieux ici, vous voyez, il chemine dans la durmère, il chemine au-dessus de l'apex pétreux, et c'est pour ça que quand il y a une pathologie de l'apex pétreux, une tumeur de l'apex pétreux, on peut avoir une atteinte du 6, hein, ou une lésion inflammatoire dans le syndrome de Grady-Nigo. Et vous voyez que le 6 va ensuite former une espèce de coude et va contourner le coude postérieur de la carotide interne intracaverneuse pour se retrouver latéral à elle dans le sinus caverneux. Il y a cette espèce de mouvement un peu en baïonnette comme ceci. Et donc, vous voyez que le 6 est situé en fait dans un élément veineux très riche, et c'est cet environnement qui explique que quand on fait un cathétérisme du sinus pétro-inférieur, parfois on peut avoir une lésion du 6 simplement parce qu'il chemine vraiment dans ce coin-là. Alors vous voyez aussi que le 6, il est entouré par des gaines méningées. En fait, il emmène, et c'est la règle, on va le voir juste après, il emmène avec lui de la durmère, mais il emmène aussi de l'arachnoïde, et c'est la fusion de ces deux gaines qui va donner finalement la gaine du nerf crânien, la gaine du 6. Pour que vous compreniez bien ça, on a fait une espèce de pseudo-coupe comme ça, qui est perpendiculaire en fait à l'axe de l'os pétreux. Et voilà ce qu'on observe. Alors on observe le clivus, ici, on observe en fait l'apex pétreux à ce niveau-là, et puis là, on va avoir la carotide interne qui va sortir à ce niveau-là, au niveau du foramen lacérum. Évidemment, l'os est tapissé par de la durmère externe, de la durmère ostéopériostée, et à une petite distance va cheminer la durmère cérébrale, la durmère interne. Entre les deux, on trouve un espace interdural, et là, c'est toujours la même chanson. Cet espace interdural, il est rempli par du sang veineux, c'est un espace veineux interdural. Cet espace veineux va avoir des noms différents. Ici, on l'appellera plexus basal du clivus. Là, on l'appellera confluence veineuse pétroclivale ou canal de Dorello. Et puis, un peu plus haut et en avant, ça sera le sinus caverneux. Mais tout ça, vous voyez, c'est un continuum, c'est la même chose. Alors, ici, on a l'arachnoïde qui va tapisser la durmère, et puis le 6 va entrer dans le confluent pétroclival, puis
dans le canal de Doré, enfin dans le canal de Dorello, puis dans le sinus caverneux. Et vous voyez qu'il emmène avec lui de la durmère et de l'arachnoïde. Et les deux vont former une espèce de gaine qui va suivre le 6. Et en fait, on aura une fusion de ces deux gaines qui vont se transformer en une gaine de type nerveux périphérique. Alors, comme il y a de l'arachnoïde, on peut avoir des villosités arachnoïdiennes qui se développent. Hein. Vous savez que les villosités arachnoïdiennes, ce sont des espèces de petits choux-fleurs qui se développent à partir de l'arachnoïde et qui permettent la résorption du liquide cérébrospinal au niveau de ces espaces veineux. Alors, on explique aussi que c'est peut-être parce qu'il y a ces inclusions arachnoïdiennes qu'on a pas mal de méningiomes dans ce coin-là, parce que vous savez que les méningiomes se développent à partir d'inclusions, enfin à partir de cellules arachnoïdiennes. Alors, si on continue à construire un petit peu le Lego, dans l'espace latérocellaire, dans le sinus caverneux, on l'a vu tout à l'heure, il y a des espèces d'îlots de tissus graisseux et puis un tissu conjonctif un petit peu lâche. Et entre ces éléments, on aura des veines, des veines ou plus exactement des espaces, des fentes veineuses qui ont une paroi plus ou moins bien constituée. Il y a de l'endothélium, il n'y a pas de muscles, mais ça forme quand même une espèce de plexus, vous l'avez vu sur les photos précédentes. Quand on regarde en revanche le plexus basal du clivus, il y a en fait la durmère interne, la durmère externe, et entre les deux, on a des trabéculations qui sont couvertes d'endothélium, et là, c'est plutôt une organisation de type caverneux. Hein. Et ça, c'est probablement ces deux organisations qui sont à l'origine des grandes discussions qu'il y a eu entre anatomistes depuis des dizaines d'années pour savoir si la structure de l'espace latérocellaire était plexiforme ou caverneuse. Et en fait, ça dépend très probablement de là où on regarde et ça dépend probablement des individus. Il y aura des individus qui seront plutôt caverneux avec des trabéculations couvertes d'endothélium et puis des individus où il y aura vraiment des fentes veineuses avec des veines qui semblent bien mieux individualisées, comme je vous l'ai montré dans les dissections précédentes. Il semble aussi qu'il y ait des variations avec l'âge, hein, avec une organisation qui devient de plus en plus caverneuse avec l'âge. Et comme on dissèque souvent des sujets âgés, on a assez souvent des organisations caverneuses. Troisième cadran, le cadran postérolatéral, c'est la tente du cervelet hein, qui va être tendue entre le pli pétroclinoïdien postérieur, ou qui s'appelle l'insertion de la tente du cervelet, c'est pas pour rien, et puis le pli pétroclinoïdien antérieur, qui est son bord libre. Alors, cette tente, elle est formée de deux couches de durmère, mais de deux couches de durmère cérébrale. Vous voyez, c'est la durmère cérébrale qui s'en va comme ceci, qui quitte la paroi, quitte l'os pétreux, qui s'en va par là, qui fait un demi-tour et qui revient. Et donc, vous avez bien deux couches de durmère. Et à la réunion entre ces deux couches de durmère et la durmère externe, la durmère ostéopériostée, il y a un espace, c'est le sinus pétreux supérieur qui va être situé au niveau de l'insertion tentorielle. Plus en arrière, on aura le sinus latéral. Vous voyez aussi qu'il peut y avoir à ce niveau-là des lacs veineux qui vont venir vous empoisonner la vie quand vous allez opérer cette région. Voilà. Alors, en fait, ce sinus va former le sinus pétreux supérieur qui se poursuit par la partie postérieure, enfin médiale du sinus latéral, donc autrement dit le sinus transverse. Hop là, le sinus transverse. Et ça forme ce qu'on appelle le système circumtentoriel, hein, qui va être situé autour de la tente du cervelet, qui va être situé donc, dans cette jonction entre, encore une fois, les deux couches d'urmère interne et la couche de d'urmère externe. Si maintenant on va voir dans le cadran antérolatéral, dans le cadran antérolatéral, on va trouver la paroi latérale du sinus caverneux et la fosse cérébrale moyenne. Et vous voyez qu'il y a un continuum, là encore, puisque la paroi latérale du sinus caverneux va s'insérer, va débuter par définition au niveau du pli pétroclinoïdien antérieur, va avoir un trajet quasi vertical pour descendre et devenir, en fait,
la dure mère de la fosse cérébrale moyenne. Alors, je vous remets ce dessin. Dans le coin, on va trouver le cavum trigéminal. Alors, ce cavum trigéminal, pardon, il faut voir ça comme une espèce de gant à trois doigts qui est évaginé au niveau de la dure mère interne. Vous voyez, on a la dure mère interne. Vous imaginez qu'on a enfoncé trois doigts dans la dure mère interne. Eh bien, on a ces trois doigts avec le nerf ophtalmique, le nerf maxillaire et le nerf mandibulaire qui vont chacun suivre leur trajet. Donc, en fait, c'est une évagination entre le sinus pectoral supérieur et l'os. Hein. C'est pour ça que le sinus pectoral supérieur va passer un petit peu en pont comme ceci. Alors, voilà ce qu'on voit dans les dissections. La ligne médiane, l'avant, la droite. On retrouve ici le toit du sinus caverneux, hein, avec ici le pli pectroclinoïdien antérieur. Le toit du sinus caverneux est plus loin, pardon, à droite. Médialement, on aurait le diaphragme ocellaire. On retrouve les éléments qui traversent le toit du sinus caverneux, la carotide interne qui devient supraclinoïdienne, le nerf oculomoteur et le 4 hein, qui entre vraiment au niveau de la croisée des plis. Et puis ici, on aperçoit le confluent veineux pétroclival, le canal de Dorello, où chemine le 6 qui vient de percer la dure mère. Là, on a donc le pli pétroclinoïdien postérieur et au-dessus de celui-ci, on a le 5 qui va entrer donc dans cette poche, dans ce cavum trigéminal. Et dans ce cavum trigéminal, il va se diviser en ces différentes branches. Alors, une vue latérale maintenant. Donc, de haut en bas de la région, enfin, de la direction dorsale vers la région ventrale, qu'est-ce qu'on trouve? Alors là, c'est la direction supérieure. Là, c'est la direction antérieure. C'est un spécimen droit. On a démonté la dure mère latérale, la paroi latérale du sinus caverneux. Encore une fois, on a enlevé de la dure mère interne, de la dure mère cérébrale. Et on trouve donc ce qui chemine dans cette paroi latérale. Alors, on va trouver d'abord le 3, hein, qui est entré à ce niveau-là, au niveau du triangle oculomoteur. Juste en dessous, on trouve le 4 qui va cheminer un peu plus bas. Et puis, on va trouver le 5-1, le nerf ophtalmique. Et vous voyez que ces trois nerfs vont cheminer vers l'avant pour gagner la fissure orbitaire supérieure, hein, où ils vont entrer dans l'orbite. Au-dessous, on trouve le 5-2, le nerf maxillaire. Mais par définition, on n'est plus dans le sinus caverneux. La limite ventrale du sinus caverneux, par définition, c'est le bord dorsal, le bord supérieur du 5-2. Et puis ensuite, on va trouver le 5-3. Le 5-2 va aller vers le foramen rotundum. Le 5-3 va aller vers le foramen ovale. Alors évidemment, vous connaissez sans doute ces triangles. Il y a un certain nombre de triangles qui ont été décrits. Vous avez ici le triangle supratrochléaire entre le 3 et le 4. Vous avez ici le triangle infratrochléaire, c'est le triangle de Parkinson, c'est le plus connu en fait, entre le 4 et le 5-1. Et à ce niveau-là, on a le coude postérieur de la carotide intracaverneuse, hein, quand elle entre dans le sinus caverneux, et le tronc méningo-hypophysaire, dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, j'ai oublié de le faire, qui va vasculariser la post-hypophyse et qui naît de ce coude postérieur. On va trouver ensuite un triangle antéromédial de la fosse cérébrale moyenne et puis un triangle antérolatéral entre 5-1, 5-2 et 5-2, 5-3. C'est moins intéressant. Alors, si maintenant je fais une coupe coronale du sinus caverneux, on retrouve ces différents éléments. Ici, la selle turcique avec la dure mère hypophysaire, la dure mère du sac dural hypophysaire, donc de la dure mère cérébrale interne, qui se poursuit par le diaphragme ocellaire et par le toit du sinus caverneux, qui se poursuit par la paroi latérale du sinus caverneux, qui se poursuit par la dure mère de la fosse cérébrale moyenne, puis actuellement la couche interne, puisque la couche externe, elle, provient en fait, suit le toit du sinus sphénoïdal qui serait situé à ce niveau-là.
Donc là, on a l'espace latérocellaire avec la carotide intracaverneuse, avec du gras. Il y a beaucoup, beaucoup de gras. Et puis, on retrouve les différents éléments dont je vous ai parlé. On a le 3. Juste en dessous, on a le 4. Et on a le 5-1. Et ce qu'on voit, c'est que le 3, le 4, le 5-1 sont entourés par leur gaine durale et un petit peu arachnoïdienne, on l'a vu. Et ces gaines vont fusionner pour former en fait une espèce de seconde couche qui va border, qui va doubler la paroi latérale du sinus caverneux. Alors, c'est pas une troisième couche de Durmer, hein, c'est en fait la fusion des gaines du 3, du 4 et du 5-1 qui va doubler cette paroi du sinus caverneux, ce qui fait qu'on pourra entrer dans cette région-là. En ouvrant la paroi latérale du sinus caverneux, normalement, vous avez cette limite faite par la gaine des nerfs. Ce qu'on voit aussi, c'est que le 6 est beaucoup plus profond, hein, il est en fait médial à ces différents nerfs, puisqu'il est situé au bord inféro-latéral de la carotide intracaverneuse. Alors, on a terminé, je pense, les choses dont il faut se souvenir, c'est que la Durmer crânienne est faite de deux couches, une couche interne, cérébrale, une couche externe, ostéopériostée. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez rien. Deuxième chose, parfois entre ces deux couches, il y a des sinus veineux qui vont parfois être larges, parfois être tout petits. Et puis, un des trucs à comprendre, c'est que la Durmer interne, elle va border deux poches, deux espèces de petits sacs. Un sac pour l'hypophyse, c'est le sac dural hypophysaire. Et encore une fois, il n'y a pas de ligne bien nette, il n'y a pas de limite bien nette, bien droite entre la paroi médiale du sinus caverneux et l'hypophyse. C'est vraiment un truc qui s'entoure, enfin qui s'adapte à la forme de l'hypophyse et aux éléments avoisinants. Et puis une deuxième poche pour le 5, c'est le cavum trigéminalé. Là, c'est le gant à trois doigts dont je vous ai montré tout à l'heure. Et puis enfin, le dernier message, c'est que il faut absolument, si vous voulez comprendre cette anatomie, aller au laboratoire, disséquer, voir comment c'est fait en vrai, parce que c'est, il n'y a que comme ça qu'on arrive vraiment à la comprendre. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ça. Ça va, il y a des survivants. Tout le monde n'est pas mort. Oui, oui. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Muriel. Si je peux me permettre, je peux poser une question qui m'a toujours un peu travaillé concernant le nerf 5. Oui. Donc, ce nerf, donc, on le voit déjà chez l'embryon bien développé à 4-5 semaines, c'est-à-dire le stage 10. Et la Durmer, elle apparaît bien nette vers peut-être la 10e semaine, comme des petites bandelettes latérales qui brillent, bien brillantes. Elle n'est pas encore assez ferme. Et ce que je ne comprends pas, c'est comment que la couche externe qui couvre le 5, je le comprends, mais la partie qui va passer inférieure de la Durmer qui va couvrir le 5. Est-ce que c'est l'ossification qui s'est faite par le bas qui fait qu'il y ait cette configuration? Je reste perplexe. Ce qu'il y a, c'est que quand la Durmer primitive, la Durmer primitive initialement, elle est là pour vasculariser l'encéphale en fait. Hein. Il y a le tube neural et puis tous les nerfs qui sont entourés par cette méninge primitive, qui va en fait ensuite régresser en grande partie, et puis va rester simplement une petite couche qui va entourer le système nerveux central, mais tout le reste va y avoir une cavitation qui va se former avec l'espace sous-arachnoïdien, et puis ce qui va rester, ça va former la Durmer. Je pense que c'est pas que ça vient entourer, en fait, c'est plutôt que initialement,
tout est englobé dans la dure mère primitive quand un tissu mésenchymato lâche. Et c'est dans ce tissu qu'il va y avoir une cavitation avec la formation de la cavité de l'espace sous-arachnoïdien. Et vous qui êtes anatomiste, quand on décrit, vous êtes très précis dans la description, quand on, pour le 5, quand parfois on retrouve le 5 traverse la dure mère. Alors, il ne traverse pas la dure mère, il entre, c'est tout pareil. Il va entrer dans le cavum trigéminal. C'est ce que je vous ai montré pour le 6, ça va faire la même chose. Une fois qu'il est arrivé dans le cavum trigéminal, il va y avoir le plexus, il va y avoir le plexus trigéminal, il va y avoir les trois branches qui vont naître. Et ces trois branches vont s'en aller vers la fissure orbitaire supérieure, vers le foramen ovale, qui fait le foramen rotundum. Et en fait, elles vont être entourées, elles vont emmener avec elles un petit peu de dure mère qui va devenir la gaine du 5, en fait, la gaine qui va entourer le nerf. Hein. Et elle ne perce pas vraiment. En fait, la dure mère va se transformer en gaine périphérique. Et ça, c'est vrai pour… Je l'ai montré là pour le 6, mais c'est vrai pour tous les nerfs crâniens. Hein. On a cette espèce d'invagination ou d'évagination, plus exactement, du nerf qui embarque avec lui les couches méningées. D'accord. D'autre part, donc je voulais juste poser un petit peu une question chirurgicale sur le côté chirurgical. Est-ce que vous pensez que le repère le falciforme, le ligament falciforme et le distal ring, est-ce que c'est une distance qui est assez fiable? On l'a décrit à peu près à 3,5 cm pour la chirurgie des années, pardon, 2 mm, 3,5 etc. C'est quelque chose de, c'est-à-dire quand on va opérer un anévrisme ophtalmique en fraisant donc la clacnoïde, est-ce que c'est un repère fiable ou pas du tout? Ça, je saurais pas dire, j'ai pas de données là-dessus, moi j'ai pas, on n'a pas fait de mesure ou autre chose comme ça, et j'ai pas en tête de littérature à ce sujet-là. Je ne saurais pas vous répondre. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres? Yeah, I think there's a couple of questions in the panel. Okay. Ah oui. Alors, on va commencer par le début. Alors, les gens d'Orléans peuvent évidemment me contacter, ils sont tout près de chez moi, donc il n'y a pas de problème. Si vous évitez le laboratoire, il n'y a pas de souci. Concernant la variante anatomique. Alors, concernant la variante anatomique de l'hypophyse, est-ce que vous voulez d'abord. Ah non, alors en fait, non, ça ne doit rien changer. C'est simplement pour le diagnostic, parce que. Il faut faire attention parce que quand on voit une hypophyse comme ça qui a une espèce d'expansion très latérale, on peut facilement se faire avoir et dire bah là, il y a une. Si, en imaginant qu'il y a un adénome dans ce prolongement, on va dire là, il y a un adénome qui envahit le sinus caverneux, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Ça va être simplement une expansion latérale de l'hypophyse. Ça ne va pas changer l'abord chirurgical, non? Je ne suis pas de chirurgie hypophysaire, mais mon collègue Patrick François, qui en fait énormément, ça lui change absolument pas sa vie. Hein. Mais oui, c'est bon de savoir qu'il n'y a plus une invasion du sinus caverneux. Quoi. Donc, c'est très important à connaître cette disposition, effectivement, parce que ça évite d'aller envoyer la curette parfois à l'aveugle et se retrouver avec des déficits nerveux. Oui. Donc, si on part sur un adénome, donc c'est-à-dire l'adénome avec l'ailette qui est LSN, ne demande rien à personne. Donc, effectivement, il faudra faire attention à ça. De même, donc, il faut bien analyser donc, la selle, le diaphragme sellé, qui est très important, même pour un adénome qui est intracellaire avec une petite extension supracellaire.
L'analyse fine permet donc de dire s'il s'agit effectivement d'une diaphragme, ce diaphragme est protégé et qu'on n'est pas à risque de faire une fuite de LCR. Parfois, donc il est plus faible avec l'anévrisme, l'hypophyse normale qui protège d'un côté, puis l'adénome de l'autre côté. Donc, il faut bien analyser l'anatomie pour... bon, donc, une fuite péropératoire, ce n'est pas le drame, mais il vaut mieux l'éviter plutôt, parce que si on a une fuite, on a... fermé, donc on reste toujours, il y a cette crainte toujours de fuite de LCR. Il y a une question un petit peu à ce sujet-là, qui demande, en cas de cellule turciguie, qu'y a-t-il un changement d'anatomie de la duomère de la région? Alors oui, il y a une, ce n'est pas toujours le cas, mais il y a souvent une association entre cellule turcique vide et foramen hypophysaire large, mais ce n'est pas absolument constant, hein, mais souvent, il y a un foramen hypophysaire large et on explique que la cellule vide est secondaire à des battements de LCS à travers une citerne arachnoïdienne qui progressivement va entrer dans la cellule turcique. Bon. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a une bonne association, mais c'est pas. Je n'ai plus en tête hein, les chiffres. Le papier commence à dater. On avait écrit ça il y a longtemps. Mais il y avait une association entre les deux. D'accord. Adrien? Je ne sais pas s'il est là. Oui. Adrien. Ah, bonsoir Saïd. Bonsoir professeur Destrieux. Merci beaucoup pour votre présentation. Bonsoir. Alors juste une petite question. Est-ce qu'on peut dire que le ligament falciforme et l'extension latérale donc du toit du sinus en fait? Alors oui et non. C'est la même couche. C'est de la duromère cérébrale, de la duromère interne, ça c'est sûr, mais c'est pas juste, enfin c'est une expansion, mais c'est pas juste à côté quand même. C'est-à-dire que il est plutôt l'expansion latérale de la duromère qui couvre le jugum. Ok. Hein? Quand vous êtes sur le toit, on peut revenir. Attendez, je vais me remettre sur un truc pour vous mettre une dia. Ah ben ça y est, j'ai encore perdu mon PowerPoint. Une catastrophe ce machin. Attendez. Partager l'écran, je vais essayer de le retrouver, voilà. Alors, je vais essayer de trouver une diapo, juste que j'ai une vue supérieure. Ouais, bah tenez, ici, vous voyez, là, en fait, on a le processus falciforme, ça va être, il va se poursuivre médialement par le jugum, en fait, mais une fois qu'on est sur le jugum, si on descend, et ben là on est sur le diaphragme cellaire et toit du sinus caverneux. Donc médialement c'est pas le toit du sinus caverneux, c'est le jugum, mais c'est la même structure, hein, ça c'est sûr. D'accord. Merci beaucoup. Oui, merci. Hello Takashi. Hello. Hello. Good evening. Hello. I'm fine. Salute, c'est Takashi Kon de Tokyo. Merci pour ma belle conférence. Il est difficile de décrire la région paracellale, mais j'ai pu la comprendre et expliquer. Je vais continuer d'étudier. Merci. Super, donc il prend l'effort, c'est super. Donc il apprend le français. Yeah. Takashi, thank you. I study French also. Yes, Takashi, de quelle ville, Takashi, déjà? Tokyo. Tokyo, oui. C'est Tokyo, yeah. Super. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Le docteur Avi Nikiema a levé la main. Oui. Oui, le docteur Avi Nikiema. Avi. Thomas. Avi Nikiema. Maybe Hassan has something to say. Hassan, do you have something you want to say?
No, Hassan? No. Okay. Okay. Okay, Ariel, could you please make the announcement in French? What we're going to do? Ah oui, okay. Hassan est parti, ça va? Ça va, merci. Okay. Merci, Saïd. Ça va très bien. Ah bah super. Comment ça va, Anim? Ça va bien. Ça va très bien. Okay, Ariel, I think we can wrap it up. Peut-être, s'il n'y a pas de questions, on va peut-être libérer le professeur Destrieux. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Et on espère vous avoir une autre fois pour une autre thématique, si vous voulez bien. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci bonne soirée. À tout le monde. Merci à tout le monde. À la prochaine. Donc, la semaine prochaine, on aura le professeur Morcos qui va nous traiter de art, de craft and science of bypass. Donc, c'est un vaste sujet. Vaste programme, oui. Bonne soirée, au revoir. Au revoir, docteur. Au revoir à tout le monde. Au revoir, à bientôt, merci. John. Merci, excellent. Merci beaucoup. Ok, Ariel. Le docteur Bennett arrêtera de diffuser sur YouTube et d'enregistrer. Vous voulez rester un moment pour pouvoir parler de manière plus officieuse et plus sans les records. Et docteur? Sans enregistrement. Ah, ouais. Ok, merci beaucoup, Christophe.